Alors coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette ou astuce. Et donc l'astuce du jour, c'est vous présenter comment je fais mes comptes, comment je conserve mes sauces hors du frigo. Donc pour plus on s'en va, plus on y va. Donc ici pour commencer ma recette, dans une casserole, dans différentes casseroles, je fais bouillir aubergines et oignons. Gnagna, à part, gombo, ça c'est la sauce copée, ça c'est la sauce koulala. Et puis, j'avais déjà bien lavé, nettoyé mes bocaux que je vais stériliser. On va laisser tout ça là cuire. Dans le copée et le koulala, je vais rajouter un peu de bicarbonate pour maintenir la couleur et le bouillon. Puis, je vais saler le tout. Si ma sauce gombo, ma sauce copée qui est prête, je vais rajouter un peu de oignon haché dans la sauce copée, dans la sauce koulala. Je rajoute aussi moins une sec et crevette sec pilée dans les deux sauces koulala et copée. Je vais venir taper ensuite. La sauce copée est prête. J'ai déposé une grande gamelle d'eau où je vais stériliser mes bocaux. Je vais laisser chauffer. Mon gnagna aussi est prêt. Je vais retirer celui de un peu pour la sauce guaguasu et mixer le reste. Gnagna ici que j'ai écrasé, je vais rajouter moins une sec crevette. Et puis pour d'ail, oignon haché. Je vais laisser bouillir quelques minutes, puis stopper le feu. Donc ici, gombo, aubergine sont prêts. Je vais écraser aubergine à part et gombo à part. Voici la sauce gombo, la sauce guaguasu et la sauce aubergine. Je vais rajouter moins sec et crevette sec avec oignon haché dans toutes les sauces. Et je vais le laisser bouillir pendant 5 minutes. Mon eau est chaude. Je vais rajouter mes bocaux dedans. Les bocaux ça entièrement dans l'eau un peu. Voici la sauce koulala et la sauce copée. On tire bien comme ça, c'est un peu en baie. La sauce aubergine, le gnagna, la couleur noire parce que c'est le gnagna séché. Là c'est la sauce guaguasu. Et ici la sauce gombo. Je crois que mes bocaux sont déjà chauds. Je vais les retirer et puis je vais les mettre dans les bouteilles. Là, mes boîtes étant déjà étant encore chaudes, je vais renverser directement la préparation dedans. Et je prends l'anneau là. J'ai eu ces bocaux là il y a 2 ans sur Amazon, mais je sais plus à combien. On va le fermer bien. Comme ça. Voilà. C'est bien emballé. Je vais procéder ainsi pour toutes les sauces.
ici, voici mes préparations sont prêtes. Je vais les garder. Aubergine. Ok, donc c'était la petite vidéo. Voici mes différentes préparations. Comme gnagnan, aubergine, koala, guaguassou et gombo. On peut, ça se conserve pendant plusieurs mois si c'est bien fait en tout cas. Dès qu'on ouvre, on peut plus, faut le conserver. Dès que vous ouvrez, vous le conservez au frigo, sinon ça va se périmer. Si tu as aimé la recette, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Je vous dis bye bye, à très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye. C'est la petite sauce tomate à base de rouge. Et je vais ouvrir ça. Vous voyez comment c'est dur. Regardez, c'est bien stérilisé. J'arrive. Je vais ouvrir ça. C'est bien assaisonné, elle dit ça. Rajoute ça comme ça. Et je vous ai prêt. Vous. Vous pouvez soit passer au micro-ondes juste 1 à 2 minutes. Si la sauce est encore chaude, pas besoin. Je vais chauffer juste le combo. Comme c'est joli, non? Je vais essayer avec le commodé là. Le commodé fait maison. Je vais mettre la recette en bas d'infos aussi. C'est un bon congodé fait maison sans sable. Bon appétit. Photocopie. Bye bye. À bientôt pour les prochaines recettes. Ah, ne faites pas comme on l'a bu d'huile. Est dangereux pour la santé. Laisse mon huile rouge comme ça. Toi, tu n'aimes pas huile rouge dans ta sauce, faut pas rajouter. Parce que ça, là, j'attends les commentaires.